Ces nouveaux engins équipent à présent l'unité de circulation routière du commissariat de Strasbourg, des scooters 100% électriques de la société rennaise EasyWatts, un vrai soulagement pour cette unité. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des motocyclistes qui m'ont montré l'état de leur scooter qui les amenait à rouler en insécurité, à polluer. C'était des véhicules quand même extrêmement polluants. Et je leur ai dit que j'allais faire en sorte qu'ils disposent d'autres scooters plus modernes, plus adaptés à leur mission. Parce que pour moi, les conditions de travail des policiers sont extrêmement importantes. C'est d'abord une forme de reconnaissance. Ces scooters présentent une autonomie de 150 km environ et se rechargent en 4h30. Au niveau accélération, c'est des 125. Hein. Ça équivaut à des 125, mais au niveau accélération, ça équivaut à des 400 thermiques. Pour effectuer des contrôles routiers, ou alcoolémie, stupéfiants, vitesse ou autre. Ces scooters seront également utilisés lors des manifestations. Il y a aussi l'image que ça renvoie à la population. Ce sont des scooters modernes, beaux, puissants, donc confortables. Donc effectivement, les collègues, quand ils ont du matériel comme ça, ils sont contents. Oui. Après les toutes premières patrouilles, les agents semblent satisfaits des performances de l'engin. Reste plus qu'à prendre en main le gabarit de cette nouvelle monture.